ChaChat38 pour une nouvelle vidéo. Précédemment, je vous avais montré une nouvelle alternative à Cydia, donc Weblin, qui est un Cydia Store mais sur le net. Et maintenant, je vais vous montrer comment l'installer. Donc certains se disaient que c'était pas mal de l'avoir, surtout que il devient de plus en plus connu. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'avoir et l'installer. Donc c'est très facile. Donc pour l'instant, vous allez sur Safari, puis vous allez taper weblininstaller.com sur votre barre de recherche. Donc la voici, hein. Donc voici Weblin qui est ici. Donc cela va vous afficher en tout premier une page comme celle-ci. C'est simple, vous descendez en bas, puis vous allez à droite. Ici va apparaître Get It Now. Donc, comme c'est marqué ici, c'est compatible avec iPhone, iPod Touch, iPad et iPad Mini. Cela requiert juste l'iOS 4.3.3 ou plus. Donc, vous cliquez sur Get It Now. Maintenant que vous avez cliqué là-dessus, vous cliquez sur Setup Weblin. Ici, ils vous disent d'installer. D'installer la source http 2.2/cydia.myrepospace.com slash app hop. Et c'est très simple, il faut avoir son appareil jailbreaké. Une fois que ceci est fait, vous cliquez sur Next Step. Maintenant, vous cliquez sur Go to Weblin. Et maintenant, ils vont vous dire http :/weblininstaller.com to authorize Weblin to install apps on your device. Please press OK. Cliquez sur OK. Et voilà, vous avez enfin Weblin Store sur votre page. Donc voilà, vous l'avez installé. Donc maintenant, ici, vous avez les sources et tout ça. Vous pouvez voir dans ma vidéo précédente qu'est-ce qu'on fait dans Weblin. Donc si cela ne marche pas, certains ont des problèmes. Vous vous rendez sur Cydia. Puis sur Cydia, vous allez installer la source, celle-ci, dans Gérer, source modifiée, ajouter. Et vous ajoutez la source app db testing. Donc je vous la dicte http://cydia.myrepospace.com/appdbtesting. Le lien sera dans la description. Vous installez ceci et vous installez le plugin pour iOS 4 si vous êtes en iOS 4 ou le plugin en iOS 5 si vous êtes en iOS 5. Donc voilà pour ce tuto d'installation. Merci de me laisser un commentaire pour me dire comment il est. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.